Oui, merci. Alors, mesdames, on ne peut pas dire que vous soyez trop mouillées sur ce rapport. Donc c'est vrai que c'est une déclaration d'attention, et comme il s'agit d'une déclaration d'attention, ce n'est pas trop engageant, et donc on peut... Oui, en effet, nous trouvons l'initiative intéressante, a priori qui dépasse les clivages idéologiques, et se base sur l'expérience de l'ensemble des publics et acteurs. Nous regrettons juste que l'impact des réseaux sociaux, qui peuvent être de très bons moyens de communication comme des accélérateurs de pression sociale chez les jeunes, ne soit pas plus pris en compte dans l'exposé des motifs. Nous espérons que c'est un simple oubli qui sera vite réparé lors des auditions et travaux, car occulter ce paramètre-ci dans les conduites dépressives ou les conduites sexuelles à risque serait, selon nous, manquer une partie du sujet. Mais l'annonce de Mme Lamire Burtin dans la lutte contre le harcèlement est un signe positif, du moins je l'interprète ainsi, étant de nature optimiste. Souhaitons juste que nous n'empilions pas ce genre de dossier accumulant des vœux pieux, consensuels, pour nous engager dans une véritable logique d'action en faveur de la santé des Franciliens. Dépassons la communication afin de donner corps enfin à ce dossier. Nous partageons le même horizon, je pense tous dans l'hémicycle. J'attends juste de voir quelle route vous emprunterez pour tenter de l'atteindre. Je vous souhaite donc bon courage et de l'action par pitié de l'action.